Bonjour à tous et à toutes, c'est moi Black Seabrook 972. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de chaîne épisode 12 ou 11. 11 ou 12. Donc, à tout de suite pour la Nous allons commencer par The Napo Gamer. En gros c'est une chaîne qui fait des unboxing et il fait des gaming. Son objectif c'est avoir 100 abonnés, je sais pas en combien de mois. Je le connais récemment, donc il a que 24 abonnés. Il a un petit peu des vues très bizarres. Allons visionner l'une de ses vidéos. J'espère que vous allez bien, comment je vais super. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Army détente. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et moi je fais une petite coupure. Voilà, la partie commence, je reprends. Bon les gars, ça commence. Moi je vous laisse un beau visionnage. Il aurait pu parler pendant son jeu. Que du Minecraft, c'est dommage qu'il ne fasse pas des jeux comme Dream Worlds, puisque lui fait de tout. Mais pourquoi il n'utilise pas cette intro pour faire ses pour jouer? Bizarre ça. Pourquoi il n'utilise pas l'intro là? C'est pas normal. Normalement, il doit utiliser l'intro qu'on lui a faite. Ou au moins qu'il n'aimait pas. Ah. Bon. J'ai juste envie de voir quelque chose. Hunter. Pas lui. Ouais, allons passer à une autre présentation de chaîne. Nous allons passer à The Jojo 13 Mixed. Du coup, nous allons voir s'il a fait une description. Bonjour les amis, si tu veux voir des vidéos en tout genre, tu es sur la bonne chaîne, n'hésitez pas. Il y a une petite erreur mon ami, parce qu'il y a un H sur un accent, mais bon bref. Pas à poster un commentaire, partager la vidéo et à mettre un petit like, ce serait plus rapide. Et à vous abonner, bon visionnage. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, ça c'est on dit à moi. Ok. Tu peux aussi dire à tes amis d'aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Je réponds à tous vos commentaires, je m'abonne à tous mes abonnés qui ont une chaîne pour vous soutenir. Programme de vidéo, une vidéo le lundi, une vidéo le vendredi. Merci d'être venu. Ah, ça me rappelle moi parce que c'est ce que je fais. Lundi. Non,
Parce que je fais lundi, jeudi, samedi ou vendredi. Vendredi ou samedi. Mario Kart. J'espère que vous êtes bien et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Mario Kart. J'ai cru que c'était l'épisode 3. Par contre, l'ami, je crois que tu es trop. Deux petites secondes. Par contre, l'ami, je voudrais te dire qu'il y a un petit problème dans ton cadrage parce que c'est un peu penché. Il faudrait que tu mettes en hauteur la caméra que tu utilises avec, comme notre ami Mickey Checks par Test Games, puisque. Ah non. Parce qu'avant, il utilisait ça, oui, il avait une technique pour filmer. Mais sinon, c'est super. Il fait du Clash Royale qui lui a donné 104 vues. Vous voyez? Quelqu'un qui a fait du Clash Royale et lui a donné 104 vues. C'est pour ça que j'aime pas trop ce jeu. Parce que ça m'énerve. Clash of Clans, c'est pour lui. Vous voyez? Ceux qui préfèrent les jeux de stratégie, qui vivent là-dedans, c'est pour eux. Moi, je suis plus pour l'action, l'aventure et le drift. Moi, c'est plutôt les courses. Mais bon, vous le saurez si j'aurai mon. J'espère avoir mon. En plus, il fait des tutos. Il l'a pas dit dans sa description. Ah. C'était tout. C'était de tout genre. Peut-être qu'il va faire une chaîne secondaire, on ne sait pas. Par contre, son logo et sa bannière, ça va bien. C'est juste à chaque fois. Je te remercie, Maintenant, nous mon allons ami. à passer Psychose, la chaîne de Call of Duty Dream. Pas mal, pas mal. Bienvenue, j'espère que le contenu te plaira ainsi que mon humour atypique. Je ferai des vidéos principalement sur Call of Duty, ainsi que des pubs. C'est dommage, l'ami, que tu ne fasses pas d'autres vidéos que Call of Duty, parce que même si Call of Duty te donne beaucoup de vues, t'as 450 abonnés grâce à Call of Duty, et ben continue ta vidéo de Call of Duty Black Ops, l'ami, si ça te donne beaucoup. Ça n'a qu'à vous. C'est un petit peu. Lui, il a bien filmé. Ça se voit que c'est pas une capture d'écran. Je rêve où le gars il était bizarre. Ouais, il était bizarre ce gars. J'ai coupé car au cas où s'il y a un droit d'auteur dans son histoire. Quatre cent cinquante abonnés, c'est comme si c'était une nouvelle histoire. Nouveau départ YouTube. J'ai pas compris. Si tu comptes 4 remasteriser en espérant vraiment que cette petite vidéo qui dure pas longtemps va vous plaire. Alors je suis en J'ai arrêté confrontation un peu sa 1 contre 1, vidéo au alors cas où s'il y a un tour d'auto, ça va dire, mais bon. Je trouve que sa chaîne est bien, son logo va bien, quand même mon Skype. Voici Surnaturel S Production, il s'occupe de faire des petits courts-métrages. Je crois qu'il utilise Sony.
Il n'a rien demandé en plus. Et son premier court-métrage. Cet adolescent a été retrouvé mort, 4 jours plus tard. D'après une autopsie, les médecins ont compris que c'était une mort par étouffement. Mais comme la police n'a trouvé aucune trace d'infraction dans la maison, sa mort a été considérée comme un suicide. Le seul indice qu'ils ont pu trouver était un CD, où il y avait la vidéo du suicide de Emma Ange. Le truc qui cloche, c'est que lorsque la police a retrouvé le corps de Emma Ange, ils ont retrouvé un CD. Mais cette fois-ci, il était vide. Serait-ce une coïncidence ? N'hésitez pas à visionner si vous voulez voir. En plus, un film d'horreur. Quand même 221 abonnés depuis 10 novembre. Récemment commencé. Comme vous avez pu le constater, dans ma chaîne, il y a eu beaucoup de vidéos que je devais... Pourtant, j'ai déjà aimé annoncer d'autres. Beaucoup de vidéos que j'ai faites, donc je sais pas ce que je vais faire, mais mon intuition dit que vous le saurez. Aussi, je m'avance aussi dans les nouveaux trucs, une miniature. Je fais des miniatures maintenant. Donc, j'espère que ça vous plaira, les amis. Puisque maintenant que nous sommes à 314 abonnés, que va-t-il se passer? Notre ami 3D Shadow Games a 20 abonnés. Mania Bros. 21 abonnés, ce serait bien qu'il aurait 30. Regardez à peu près nos vidéos et puis vous le saurez. Snoopy à 254, Michael Sparrow 258. C'est... Moi j'aimerais qu'il ait 330 abonnés. Michael Jack Sparrow, j'aurais bien aimé qu'il ait des 100 abonnés. Benoît du 63, comme il a fait chaîne Iron 21, il a 107 abonnés, donc nous l'avions présenté. Puis voilà. Il y a Grimox 972. Allez, le Martiniquais est de retour. Bon bref, je vais devoir aussi modifier ma description. Vous le saurez plus tard. Donc sur ce, au revoir et à bientôt. J'espère que cette présentation de chaîne te plaira. Il y aura de nouveaux youtubeurs que tu aimeras. Peut-être que tu t'abonneras aussi à ma chaîne. Puisqu'on ne sait pas qui tu es, jeune cyborgien, il est maintenant l'heure de partir. Nom de Zeus, les amis, je me suis fait arnaquer par moi-même dans cette histoire car j'ai complètement oublié un ami qui s'est abonné récemment à ma chaîne. Son nom c'est RetroGamer62. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il fait, donc c'est pour ça que je vous le mets. Musique, mix et multigaming, détente Xbox One sur différents jeux plus ou moins récents. Je serai pas seul à jouer. Il y aura également mes fils pseudo Watts62 et Geo62 et quelques potes qui prendront. Quoi? Il a même un fils? C'est Doc Saint-Père. Nom de Zeus. Quelques potes qui prendront le relais de temps en temps sur les vidéos. Je reprends cette chaîne en main avant tout pour faire plaisir à mes gamins car ils aiment eux aussi YouTube. Comme la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Et mon but, c'est donc juste de poster des vidéos de multigame et autres. Voilà, c'est tout pour le moment. PS, matériel nécessaire pour faire des vidéos en HD bien reçu. Ok. Il a même des gamins. Dans cette histoire, je n'étais pas au courant. Il fait du Hitman, du Trackmania Turbo, du Call of Duty Infinity Ware. Warfare Beta. Bon, allons voir.
juste avant que les vidéos commencent, j'ai juste vous présenter un peu la vidéo, comment elle va fonctionner. Donc désolé pour ceux qui s'attendaient au premier épisode du Let's Play de Hitman, mais du coup ça va me prendre un peu plus de temps. Donc je préfère faire les choses bien proprement. Donc pendant la vidéo, je vais vous parler un peu du jeu Trackmania Turbo. Donc sachant que c'est un jeu qui me tient vachement à cœur, parce que c'est un jeu de... J'ai passé pratiquement une bonne partie de mon enfance dessus. Donc ouais, je vais vous expliquer un peu comment le jeu il marche, etc., etc. Je vais essayer de vous aider à m'activer pendant toute mon enfance. Donc on va dire entre guillemets Kaya, qui vous permet d'avoir des médailles d'or et permet de d'avoir un meilleur classement, que ça soit dans votre région, etc., etc. Sachant que quand vous achetez le jeu, il vous... Donc ouais, je vais vous présenter un peu pour le... Vous pouvez pas finir le jeu au bout de 10 heures, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des choses qui sont cachées dans le jeu. Donc pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui ont envie de voir le menu, n'hésitez pas à mettre sur pause, parce que comme là ça je parle et puis du coup ça défile quand même assez vite. Il y a un menu où c'est écrit secret, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a même pas 5 minutes de ça, il y avait un petit menu, c'est écrit secret. Donc il suffit de taper une course, comme on pourra dire ça, Formule 1, enfin comment dire, qui est vraiment poussé sur la réalité. Donc c'est vraiment du fun arcade à mort, et c'est ça qui est bien sûr ce jeu là. Donc Trackmania, ça a commencé quand Nadeo, donc l'entreprise française Nadeo, a sorti leur premier jeu qui s'appelait Trackmania. Je sais plus comment c'est, Nation, ouais. Le premier c'était Nation, qui s'appelait Trackmania Nation. Et la particularité de ce jeu là, c'est qu'il était gratuit. Il y a pas un souci technique. On va dire complet. En sachant qu'ils ont sorti des mises à jour entre deux pour régler quelques bugs, comme dans tout jeu, quoi, on va dire. Super. Vous avez différent. Alors là, les amis, je vous dis qu'abonnez-vous tout de suite. Hein. S'il y a des jeux comme ça de malade avec des formules 1 qui s'appelle Trackmania, ça me rappelle aussi un jeu que j'ai l'impression que Trackmania me rappelle quelque chose. Je sais pas. Bon, bref. Cette fois-ci, on va se dire vraiment adieu parce que je me suis réellement fait arnaquer par moi-même deux fois. Donc la troisième fois, c'est dire que ce sera la bonne. D'après ce qu'on dit ici. Prepárate.